Dans l'eau, ça, ce que je ressens, c'est une sensation de liberté et de légèreté. On n'a vraiment plus rien, on a juste notre corps en fait comme outil. Et c'est ce que j'adore en fait, c'est vraiment cette sensation de liberté et d'être vraiment comme les autres, quoi. Propulsé à la seule force de ses bras, Théo continue sa quête de médailles. À 18 ans, il est déjà double vice-champion du monde de natation handisport. Et pour tenter de battre des records, il s'entraîne 4 heures par jour, toujours en s'adaptant à son handicap. Sans prothèse et sans les mains et les pieds, la surface d'appui est beaucoup plus faible qu'une personne lambda. Alors du coup, on travaille beaucoup sur des exercices justement sur les appuis. Travailler sur le peu d'appui que j'ai et vraiment faire un effort là-dessus pour qu'en compétition, je me fatigue le moins possible parce que mon problème du coup, c'est que je dois mettre énormément de cadence, donc beaucoup de coups de bras pour compenser mon manque d'appui. Prends le temps Théo, et sur chaque coup de bras, essaie de sentir que tu te pousses vers l'avant. Pour surmonter ses faiblesses, Théo peut compter sur son entraîneur. Fabien l'accompagne depuis son entrée en sport-études il y a déjà 7 ans. La première année de mémoire, il ne savait pas nager le papillon. C'était un nageur débutant en fait. Quadri amputé mais débutant. Mais c'est pareil, c'est pas venu tout seul en fait. Ce gamin-là, c'est un gagnant, c'est un compétiteur. Et comme tout compétiteur, Théo veut toujours aller plus loin. Avec un objectif, améliorer ses performances. Pour ça, il doit sculpter son corps et gagner en force. Avec Flavien, un kinésithérapeute qui le suit depuis 6 mois. Pour cet exercice, on va travailler le renforcement donc de ses abdos, notamment ses obliques. Et aussi, on travaille l'équilibre et la perception de son corps pour qu'il arrive à mieux se placer dans l'espace et notamment dans l'eau. Allez, on change. Théo suit ses séances sans prothèse. Alors, il a fallu trouver des astuces pour lui permettre d'utiliser toutes les machines. J'étais trop court au niveau de mes bras pour aller chercher... je sais pas, une corde ou quoi que ce soit. Et du coup, on a trouvé cette idée-là avec ces petits brassards-là et ces sangles avec les cordes. Et ça nous a vraiment aidé en musculation. Et c'est quand on a commencé à bosser qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire aussi en kiné. Théo vit à 100 à l'heure. Il y a un an, il a obtenu son permis et conduit désormais ce véhicule conçu sur mesure qui lui permet de gagner chaque jour un peu plus en autonomie. J'accélère comme ça, en baissant. Et en poussant, ça freine. C'est hyper important pour moi d'avoir une voiture aujourd'hui parce que je suis vachement autonome. Du coup, je fais mes trajets tout seul entre l'appartement, ma vie d'ado, les entraînements, les cours. Donc du coup, voilà, pour moi maintenant, c'est hyper cool d'avoir le permis parce que je fais vraiment ce que je veux les week-ends. Si j'ai envie de partir, voir mes amis et tout, je peux le faire quand je veux. Et non, c'est que du bonheur. Théo est un champion. Mais ça reste avant tout un étudiant qui, comme beaucoup d'autres, vit en colocation. Le départ de l'internat rime avec indépendance, mais c'est aussi la fin d'un accompagnement pour les gestes de la vie courante. La vaisselle, j'ai un peu de mal, mais c'est plus mes colocs qui s'occupent de faire ça. Et moi, je m'occupe plus de la partie ménage, nettoyer la cuisine, des choses comme ça. Et voilà, parce que la vaisselle, il m'est arrivé aussi de casser quelques verres et au final... Ça revenait trop cher. On va dire qu'il a beaucoup d'humour. Il est tout le temps en train de rigoler, en train de faire le con, quoi. Mais autant à l'entraînement qu'autant en tant qu'ami. C'est le même. Ouais. Et c'est aussi ça qui plaît à ses admirateurs, car il en compte beaucoup. Plus de 60 000 le suivent tous les jours sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour diffuser ses messages. J'essaye de véhiculer le message qui est toujours le même. J'essaye de dire en fait aux gens, regardez, j'ai plus mes mains, j'ai plus mes pieds, mais je suis capable de faire du sport, du sport en haut niveau. Je suis capable d'avoir le permis, je suis capable d'aller en cours. Et j'ai envie de montrer aux gens que je suis humain. Je suis humain et on doit être traité comme des humains et être récompensé comme n'importe qui. Et c'est en tout cas un de mes rêves qu'un jour les gens puissent suivre des athlètes en e-sport autant qu'un athlète valide, quoi. Et ce rêve n'est peut-être pas si loin. Rendez-vous à Tokyo pour les Jeux paralympiques de 2020.